frémissement des arbres doucement agités par le vent, quelques motifs d'espérance qu'il a conçus depuis peu, tout concourt à rendre à son cœur un calme inaccoutumé et à donner à ses idées une couleur plus riante. Il réfléchit sur son isolement, il espère n'être bientôt plus seul, mais si elle le trompait. Ce mélange d'espoir et de crainte, ses idées de bonheur troublées par quelques noirs pressentiments, forment le sujet de cet adagio. À la fin, l'un des pâtres reprend le rang des vaches, mais l'autre